Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Zakinho sur NGL Biathlon, les gars. On est parti pour une nouvelle saison. Nouvelle saison, on est monté à 87 de général, c'est pas trop mal. On a pris un petit peu en tir, on a pris un petit peu partout. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Normalement, on fait quand même partie des tout meilleurs cette année, hein. 87, bon, il y a trois mecs qui ont plus de général que nous, hein. Morgenstern, Cardinal et Gubernieff. Aujourd'hui, on commence en Slovénie avec un individuel hein, à Paul Juka. Ok, donc individuel, on aura un sprint et une poursuite. Du coup, on va voir. On va voir. L'objectif de cette saison, évidemment, monter. Je pense que cette année, il faut essayer de monter. Il faut essayer de prendre beaucoup d'argent, encore une fois. Si on peut retaper les 1 000 $, ce serait hyper cool. Essayer de passer à 89, 88, 89 de général pour monter en World Cup. Et je pense qu'avec 88, 89, on peut peut-être espérer gratter quelques places, prendre un peu d'argent et commencer peut-être à économiser un peu pour des skis. Je sais pas, ça va être chaud. Donc on commence du coup avec l'individuel. On n'aura pas le bonus. Moins 16, moins 20. Ok. Très bien. Bah écoutez, on va y aller. En plus, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait cette piste-là. Donc il va falloir se remémorer un petit peu cette piste. On perd pas de temps, les gars, on y va. On démarre 10e. J'aime pas trop ça, je préfère démarrer plus tard, moi. On va démarrer 10e, mais let's go, les gars. Let's go faire un gros résultat, là, ce serait bien. Enfin, faut bien commencer, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr, faut bien commencer. Alors, on s'élance tout de suite, et c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. On espère bien sûr une belle course de la part du Zach. Hein. Évidemment, on va espérer ça très très fort. Il me semble que cette piste. Ouais, c'est ça. C'est là, il va y avoir toutes les petites montées. À chaque fois, là, voilà, ça va remonter, ainsi de suite, bam, 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 ça remonte. On est combien tième au ski pour l'instant? On est à 0,2, mais bon, je crois pas qu'il y ait tous les meilleurs qui sont passés pour le moment. Va falloir faire un temps de référence, les gars. On va faire un petit temps de référence, c'est-à-dire, ouais, bah, sans faute pour commencer, ce serait légendaire. Hein. Alors, un petit sans faute pour commencer, les gars, ce serait tout à fait légendaire, évidemment. Après, est-ce qu'on en aura les moyens? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, on va partir pour. Je me souviens plus comment elle est cette piste. Enfin, du moins, l'avant le pâtir, est-ce qu'on a une descente? Est-ce qu'on a une montée? Parce que les BPM, c'est toujours un peu chiant. J'ai vu dans les commentaires derrière des gens me dire que je me prends trop la tête sur les BPM. Mais j'ai pas trop le choix, les gars. Hein. Si on est trop bas, vraiment, hein, si on est trop bas, c'est catastrophique. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Si on est trop bas, les gars, c'est la grosse merde. Hein. Trop bas, c'est juste pas possible en fait, parce qu'en dessous de 155, c'est mort. Ah, le pas de tir, il est direct là. Oh putain, le pas de tir, il est là. Faut que je monte mes BPM. Hein. Voilà, ils sont trop montés là. Oh, je les ai trop montés. Bon, c'est pas grave. On laisse redescendre tranquillement. Je pense que ça va aller en fait. Je pense que ça va. Le pas de tir, heureusement, il est loin. Ça va aller, mais attention, ah, ça va être chiant ça. Après une descente, en plus, une très longue descente, t'as pas trop le temps de. Ah, un petit peu relou. Bon, allez, on se focus. Ok, vamos, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon premier tir intéressant. Pas extrêmement rapide. Faudra peut-être quand même tirer un peu plus vite si on veut finir premier pour l'instant. On n'est que troisième, hein. Il y en a deux qui font mieux que nous. Donc il y en a deux qui n'ont pas fait d'erreur et qui ont tiré sûrement plus vite. C'est Belts et Christiansen. Ok. Ok. Oblak, on est déjà devant. Donc Oblak a fait des erreurs. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Du coup, il va falloir que je trouve la strat ici, hein. Parce que du coup, on arrive avec très peu de BPM, mais il ne faut pas trop les monter non plus. On va voir, on va voir, on va voir, on va essayer de trouver la solution. C'était pas trop mal ce qu'on a fait ici, mais bon, après le pas de tir, ça peut vite être la merde. Ouais, c'est ça le problème, les gars. Si on me donne le pas de tir numéro 2, ça va si j'ai les BPM trop hauts. Mais si on me donne le pas de tir numéro 15, bah, c'est juste foutu en fait. Hein. Tout dépend de où on tire exactement et on ne sait jamais vraiment. C'est ça le problème. On ne sait jamais vraiment, les gars. Ok, Zakito, il a fait déjà 3 erreurs. Pour... Ah non, 2 erreurs. Une erreur? Bon, une erreur, ça va. Zakito, j'aimerais qu'il monte avec nous, les gars, mais il progresse plus. Donc, enfin, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud pour Zakito de réussir à monter cette saison. Je pense même que ce sera impossible. On perd quand même du temps sur les skis. Hein. On perd quand même du temps. Et là, du coup, ouais, j'aurais dû monter. Ah, ouais, j'aurais dû m'embêter de monter BPM avant. Ouais, je devrais les monter un petit peu avant la descente. Parce que même là, c'est trop bas. Hein. Là, il faut que je les remonte. Ah, vous venez de ne pas me prendre la tête avec, les gars, mais je suis obligé de regarder, hein, sinon c'est foutu. Hein. Là, regardez, on arrive ici. En vrai, je devrais laisser glisser encore un peu. Là, je les remonte un peu. Ah, tu vois, sauf qu'ils remontent trop. C'est chiant. Ah, ça, elle va être trop chiant cette map.
Ah, cette map, elle va être horrible. En plus, là, c'est tir debout. Aïe, 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 aïe. On va être beaucoup trop en BPM, là. On va être trop en BPM. On va attendre un petit peu. Ça bouge un peu. Quel dommage. Quel dommage de prendre son temps pour tirer pour en louper une quand même. Aïe, 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 aïe. Aïe, là, c'est pas bon, là. Évidemment, là, c'est pas bon. Une erreur, on aurait voulu commencer par le sans faute, ce sera pas le cas, on est cinquième pour le moment, mais cinquième sur, ouais, sur 7 quoi, donc c'est de la merde. Hein. C'est de la merde les gars, bon pas extrêmement loin, mais ça reste bien de la merde. Ah fait chier cette petite erreur, elle va nous coûter cher. Hein. Elle va nous coûter la victoire, ça c'est sûr, on ne gagnera pas, parce qu'il y a des mecs qui sont plus rapides que nous, même s'ils font des erreurs, ou alors il faudra vraiment qu'il y ait énormément d'erreurs. Mais pour l'instant, c'est pas cool, mais elle est chiante cette piste. Avec le nouveau système là, la nouvelle fourchette de BPM, c'est hyper relou en vrai. Hein. C'est hyper relou. Avant, ça m'avait l'air quand même un peu mieux. Enfin, je sais pas, en vrai, c'est juste différent. Faut juste s'adapter, quoi. Faut juste s'adapter. Bon, là, il faut que je pense à comment dire, à accélérer un petit peu avant la descente. Comme ça, je monte bien les BPM à fond. Je suis quand même obligé de les remonter après, donc un peu chiant. Un peu chiant, un peu chiant. Je pense que genre là, à partir de là, voilà, là, j'accélère, hop. J'accélère pour monter les BPM, bam, bam, bam. Et là, hop, on se met en glissade. On se met en position tout chousse, mais vous voyez qu'on est déjà à 180 de BPM. Le temps d'arriver, on sera bien trop bas et les monter qu'une fois, c'est dur. En vrai, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, là, hop, je glisse jusque là et là, je les remonte. Ils sont pas montés. Ah ouais, c'est un enfer. Ah mais là je suis trop bas, putain, je suis trop bas les gars. Mais ils sont pas montés. Mais les BPM c'est trop chiant. Je suis obligé de tirer vite là. Descends. On va mousse. On était à ça du 155 les gars. On était à ça. Bon quand je tire vite j'ai quand même le temps même quand je suis très bas. Mais putain ça met une pression quoi. Ça met une petite pression. En tout cas on a tiré plutôt vite c'est bien. Mais je suis toujours à 17 secondes. Hein. Comment ça Oblak est premier? Il n'a pas fait des erreurs lui? Oblak il a fait qu'une erreur, il met quand même 17 secondes. Bah, j'ai fait une erreur aussi, donc ça veut dire que bah, il me détruit sur les skis. Voilà, on a fait une erreur chacun. Il me détruit autant. C'est même pas close en vrai. S'il a 17 secondes alors qu'on a une erreur chacun, bah, c'est qu'il me met 17 secondes tout simplement au total. Hein. Ah ça fait mal de prendre 17 secondes quand même. Hein. Mais comment ils font? Bah, je pense que c'est le bon. Ouais, là il va peut-être être temps d'avoir des skis quand même. Il va peut-être être temps d'avoir des skis pour les températures. Bah, je crois que ça va commencer à être un peu obligatoire, les gars. Ça va commencer à être très obligatoire, même. Sinon, on va pas s'en sortir. Mais par contre, wesh, l'endurance, comment elle a tapé dans... On m'a tapé dans l'endurance, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le froid qui fait ça? C'est quoi cette merde, les gars, là? C'est quoi cette merde? Est-ce que notre petit Oblak, il veut pas faire. Il est sur le pas de tir, là. Mon Black, là, tu fais. Oui, il fait une erreur, Oblak. Parfait. Ça, si on fait pas d'erreur, on sera devant lui. Ça c'est quasi sûr, il en a fait qu'une. Merde, j'ai pas monté mes BPM. Quel con. Quel con, quel con, quel con. Ok. Là on est à 186. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Le tout est de ne pas faire d'erreur. En vrai c'est chiant parce que je perds quand même du temps. J'essaie de les remonter ici quand même un peu. Voilà, là ils vont monter là. Mais frère, je ne comprends pas. Mais, ah si, j'allais dire, s'ils montent pas là, je vais péter mon crâne. Par contre, il faut redescendre un peu. Bon, attention à la première balle qui va peut-être bougeotter un petit peu. Faut voir, attention. Vamos. Vamos, vamos. Ah, c'est chiant quand même. Hein. C'est BPM, c'est toujours chiant. Mais comment ça? Je suis quand même à 12 secondes là. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Il a fait une erreur. Mais qui est devant moi là? Qui est devant moi? Kovar est devant moi? Kovar a fait une erreur. Je suis derrière. Je suis derrière. Non, vous foutez de ma gueule. Je suis derrière le mec qui a fait deux erreurs là. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Comment c'est possible? Non, mais là, il y a un problème. On me ment en fait sur mes stats. Je suis nul en fait. Il y a quelque chose qui va pas, les gars. Là. Comment ça? Tiens, j'utilise un peu de sprint ici. Il y a un truc qui va pas là. On est d'accord qu'il y a un truc qui va pas. On va réutiliser du sprint là. La moitié. Hop, voilà. Et puis on pourra en utiliser ici. Tranquillement. On en garde un tout petit peu pour la fin. Ouais, bah, je sais pas. Donc, le mec a fait une erreur de plus que moi. Donc, on en est encore là, quoi. Il y a encore des mecs avec une erreur. Et en plus, même pas sur un sprint ou quoi que ce soit.
Hein, on est quand même sur 20 secondes. Donc ça veut dire que non mais sur le ski il me détruit. Non mais comment ça se fait qu'on est si nul sur le ski là? Comment ça se fait qu'on est si nul sur les skis les gars là? Je comprends pas trop. J'avoue que là j'ai du mal à saisir. Un petit peu du mal à saisir pourquoi on est si nul. Mais ouais bah du coup ça va être à peine un top 10 du coup. Hein. Pourtant je fais qu'une erreur. Ouais bon écoutez bah c'est comme ça malheureusement. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est la vie qu'on a décidé de mener. Allez, on va mettre le reste du sprint et hop, on termine cette course. Troisième pour le moment. Un peu choc-barre quand même. Un peu choc-barre que Oblak avec deux erreurs. Il me met 8 secondes. Il a eu 40 secondes de pénalité, j'en ai eu 20. Donc il me met 28 secondes en termes de tir et de ski. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, ça fait mal. On est quatrième, on est cinquième, on est sixième. On est sixième, on est sixième, on est sixième, on est septième, on est huitième. Bah, c'est pas fou. Bon. C'est pas fou, les gars. Hein. Huitième. On va prendre $24, huitième. Waouh, huitième avec une erreur. Il y a Sefcik aussi qui est devant moi avec deux erreurs. Il y a Zakito qui est devant moi avec deux erreurs. Sur un individuel! Mais vous vous foutez de ma gueule? Non, mais attendez, voyons voir les stats. J'ai pris 27 secondes sur les skis. Bah, je crois que j'ai tiré très lentement là. Je prends 10 secondes sur le shooting time. J'avoue que c'est beaucoup. Ouais, je prends 9 secondes sur Oblak sur le shooting time. On a été trop lent, les gars. 4 secondes 2 ici. Voilà, on a tiré vite 0,9. C'était incroyable. Et 3 secondes 4. Ouais, j'ai pris. Bah voilà, hein, on a. Même sur l'individuel en fait. Hein, faut que je tire plus vite, les gars. Faut que je tire plus vite. Hein. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, bon, c'est pas si mal en soi. Ouh, on aura peut-être le bonus sur le sprint. Moins 6, moins 10, c'est très bien. Mais du coup, bon, 8e seulement. Bon, on a fait une erreur. Sans l'erreur, d'ailleurs, j'ai même pas fait attention, mais je crois que même sans l'erreur, je passais même pas, j'étais à 30 secondes. Donc même si je fais pas d'erreur, les gars, incroyable. Incroyable. Bref, on va faire le sprint. On va partir dans le 1. Je pars dans quel groupe? Moi, je vais quand même partir dans le troisième groupe. Je vais partir dans le troisième groupe, on va voir si ça nous porte chance ou pas. Normalement à moins 7, voilà, à moins 7, on a le meilleur. Faudrait que ça se. Ouais, voilà. Faudrait que ça se réchauffe un peu. Moins 7, c'est très bien, tu vois. Réchauffer un peu moins 6, c'est un peu chiant. Moins 7, c'est très bien. Moins 7, c'est très très bien. Moins 6, c'est ok en vrai. Moins 6 ou moins 8. Moins 7, c'est parfait. Ok, on est sur du moins 6. Là, c'est le sprint, donc il n'y a que 3 tours. Là, on va pousser sur les skis. Là. Évidemment, on va pousser sur les skis, tu vas voir. Hein. Tu vas voir qui est qui là. Là, tu vas voir qui est qui. Et là, maintenant que j'ai le bonus, vous allez arrêter de me faire croire que je perds autant de temps sur les skis. Hein. Là, on va essayer de tirer beaucoup plus vite aussi, évidemment. C'est le sprint. Tirez vite, tirez bien. Mais cette map, elle est chiante. Hein. On a dit pour les BPM, c'est trop chiant à gérer. Trop, trop chiant à gérer. Ouais, faut que j'arrive à gérer ça. Pour l'instant, on est deuxième à 0,3. Très bien, très bien, très bien. Là aujourd'hui, on va pouvoir faire face au meilleur. On va pouvoir, on a le bonus quasiment à fond, donc on va glisser beaucoup mieux. Hein, là on est chaud là. Là on est prêt à faire très mal. On est prêt sur ces 3 tours à tout donner et terminer dans les 21 premiers. Donc on va se donner le droit à une petite erreur. Pas plus d'une erreur mon Zach, hein. Pas plus d'une erreur aujourd'hui. Ne fais pas n'importe quoi. L'année dernière, on avait choqué pas mal de sprints. Il nous avait coûté d'ailleurs bah, la montée, tout simplement. Là, on n'a pas trop envie de faire pareil. Hein. On n'a pas trop envie de faire pareil. Tiens, à partir de là, je vais accélérer. Je vais accélérer, 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 je vais accélérer. Et je me mets en position. Je me mets en position. Les BPM, ça va être chiant. Tout dépend du pas de tir aussi. Mais vas-y. Vu qu'il faut tirer vite, j'ai l'impression de glisser à une vitesse phénoménale. J'ai l'impression d'être une fusée. J'ai l'impression d'être une fusée, les gars. Ok. Je vais essayer de les remonter un petit peu là quand même. Ils sont pas montés. Non mais c'est trop chiant les BPM. Pourquoi dès que j'arrive ici ils montent pas? Du coup là j'ai une pression de dingue. Je suis quasiment à 155. Mais c'est foutu. Mais c'est foutu les gars. Mais pourquoi ça a pas bougé alors que j'étais. Ah là c'était 152? Bah, je comprends pas. Bon là les gars. Là les gars je comprends pas. Bah je prends hein. Ça n'a pas bougé, c'est très bien, hein, mais je m'attendais à ce que ça bouge. Pourquoi là, c'était à 152 que le cœur il a clignoté en mode warning, warning. Il faut faire attention. J'ai pas compris là pourquoi c'était 152. Avant c'était 155. Sachant que toutes les courses, on va pas s'en sortir. Hein, je vous le dis les gars, on va clairement pas s'en sortir. Mais là je prends. Là je prends clairement. Mais c'était très limite quand même. Hein, c'était très limite. Je suis 8e. À 2 secondes, je suis 8e.
Mais vous allez arrêter de vous foutre de ma gueule. Comment ça peut être aussi close? Ah, faut vraiment que je tire ultra vite. Hein. Sinon, on va perdre. Tiens, je vais utiliser un peu de sprint déjà là. Hop, un petit peu de sprintasse, tu vois, tranquillement. Tranquillement, tranquillement, un tout petit peu. Et dans le dernier tour, on en utilisera bien ici dans les montées pour pouvoir gratter quelques petits centièmes qui pourra faire la différence sur ce sprint. Allez, plus qu'un dernier tir. C'est le tir debout. On va pas faire de bêtises. On va accélérer un petit peu ici, pas grand chose. On récupère et on va accélérer à partir de là. À partir de là, j'accélère. Je pousse, je pousse, je pousse. On est à 3 secondes 3. À partir de là, on se met en position et on glisse comme un prince. Allez. Allez, le Zac. Allez, le Zac, allez, glisse plus vite encore là. 60 km/h, on veut aller plus vite. On veut aller plus vite encore. Que là, je vais arriver. En vrai, si elle va pas tirer direct, ce serait nickel si elle va pas tirer direct. Parce que là, on va de nouveau être trop bas. Je vais essayer de les monter un peu. Et là, ils vont monter à 180. Non. Ah, on rigole bien quand même, hein. Non, vraiment, les gars, on rigole trop trop bien sur ce jeu. On se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Bah là, ça va bouger, hein. Ouais, là, ça bouge de fou. Bon, le tir était lent, mais au moins, on n'a pas fait d'erreur. J'avais pas le choix. Ah, vraiment, hein. Je vous le dis, j'appuie. C'est ça qui est relou avec le jeu, c'est qu'il y a quand même une grosse part d'aléatoire. Je vous explique. Bon, pour l'instant, ça arrive 7ème à 7 secondes. On va faire dans les 21 premiers, ça c'est sûr. Mais je vous explique. Il y a des moments où j'appuie exactement le même nombre de temps sur le sprint. Ça ne push pas les BPM. Il reste bloqué. Je sais pas, par exemple, au premier tir, ils étaient restés bloqués à 168. Je voulais les monter un peu. Ils sont restés à 168. Là, j'arrive, je fais la même chose. La même chose, les gars. Exactement la même chose. Ils passent de 168 à 180. Mais c'est infernal. C'est infernal. Tiens, on va utiliser un peu de sprint, on a dit, pour accélérer ici. Et ici aussi, on va en mettre une bonne couche de sprint. Là, une bonne couche de sprint. Voilà, comme ça, on est bien. On en garde un tout petit peu pour la fin. Là, je vais pousser, je vais pousser, je vais pousser au max. On va récupérer, puis on va repousser. Parce que là, on a encore beaucoup, beaucoup de jus pour ce dernier tour. Voilà, on repousse ici encore une fois. Alors, on va essayer de gratter des petits dixièmes, des petits centièmes. Putain, fait chier. Hein. C'est dur, hein. c'est dur, les gars. Ah, je vous le dis, c'est dur. On est 5ème à 7 secondes. Oh, on a gratté des places. Allez hop, on glisse, on glisse, on glisse. Allez, 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 vamos, vamos, vamos. Tu glisses bien. Tu glisses bien, tu glisses bien. Est-ce qu'il y a des gens qui vont passer encore? Quasiment personne. Donc on devrait pouvoir réussir à choper une 5ème, 6ème place peut-être. Ce qui serait très très bon évidemment. À partir de là, on va prendre le sprint. Voilà. Et là, on termine en beauté. On est 6ème à 10 secondes. Je perds du temps quand même. Même avec le bonus. Hein. Sur les skis, je perds du temps. Hein. On était à 8 secondes et tout. Ils sont toujours trop forts, les gars. Ils sont toujours beaucoup trop forts. Skip to result, je suis déjà 7ème. Bah, je pense que je vais faire 7ème. Bon, 7ème, c'est pas mal. C'est pas mal, on refait un top 10, les gars. Il y a Kiké devant nous. Off qui a pas fait d'erreur. Oblak qui a pas fait d'erreur. Schiller qui a pas fait d'erreur. Belts qui a pas fait d'erreur. Cardinal avec une erreur, il est devant nous. J'ai envie de me mettre des patates. Après Cardinal, je crois qu'il a 89 de gêne. André et Georges qui a pas fait d'erreur. Ok, on est quand même devant Novikov. On est devant Wagner qui a fait une erreur, donc c'est bien. Attends, c'est qui? Il y avait un autre qui était fort, l'allemand, là. C'est quel allemand qui était fort? Il avait un nom à rallonge. Il est où? C'est lui. Il fait pas... Oh là là. Morgenstern qui fait pas la poursuite, c'est très bien, parce que lui, il est très fort. Lui, il a 89 de général, un truc comme ça, donc c'est très très bien. J'ai perdu que 9 secondes sur l'esquive, j'ai pas la pression, mais là, je pense que le shooting time, on n'est pas bon. Hein. Ouais, 5-9, parce que sur celui-là, voilà, je perds 4 secondes. Ah, celui-là, il était bien. Oh, quoi que, 1 seconde 8. Seconde 8, c'est bof. Faudrait plus se rapprocher d'une seconde. Ok, bon, on a donc la poursuite à faire maintenant, toujours sur cette map un peu affreuse. On a 215$, mine de rien, 215, on a déjà bientôt assez pour s'entraîner une fois, tu vois. Mais l'objectif, ce sera pas de s'entraîner avant la fin de saison, évidemment, parce que si on s'entraîne une fois, c'est-à-dire qu'on a loupé un sprint ou quelque chose comme ça. On n'aura pas le bonus, on y va les gars, on enchaîne directement, on est 7ème à 10 secondes. On va falloir qu'il fasse des erreurs devant, sinon ce sera mort, évidemment, 10 secondes, c'est quand même beaucoup, hein. 10 secondes, c'est quand même beaucoup. Allez, c'est parti. On s'élance. Après, il y a des gens juste devant nous. Donc, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ils sont vraiment pas très loin, là, les trois de devant. On est 7ème. Ça peut faire. Voilà, il y a le 6ème, il y a le 5ème, il y a le 4ème. On peut peut-être essayer d'aller chercher un podium aujourd'hui. Même si on n'aura pas le bonus sur les skis pour essayer de les passer, tout simplement. Je sais pas comment on va faire. Là, j'aurai le pas de tir numéro 7. Donc, le pas de tir sera loin. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Après, je crois que le mec devant nous,
André Georges, là, je crois qu'il n'est pas extrêmement bon sur les skis, donc il y a peut-être un moment où lui, on pourra le bouffer. Alors là, je trouve qu'on l'a déjà pas mal rattrapé, donc c'est plutôt pas mal. Même si, bon, j'ai l'impression qu'on le rattrape de fou non plus. Et derrière, on entend des gens arriver, là. On entend des gens arriver en plainte derrière. Je sais pas qui c'est, mais ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. Bah, il est en train de me dépasser, tout simplement. Je sais pas, bah, je crois que c'est... Bah, je sais pas, en fait. C'est-à-dire, je crois que c'est au black, mais non, je crois au black, il était devant. On va accélérer ici. On va accélérer ici gentiment. Voilà, hop, on va se mettre en position à partir de là. On va glisser et ça risque d'être chiant, là. Ça risque d'être chiant, encore une fois. Il faudra essayer de les monter un tout petit peu, les BPM, parce que sinon, on est trop bas, je dois tirer trop vite. C'est grave relou, hein. C'est grave relou. Bon, à partir de là, hop, on va essayer de les monter un coup. Tu vois, et là, ils montent pas alors que j'appuie! Mais c'est trop chiant! Non, mais je vous le dis, c'est trop chiant! C'est beaucoup trop chiant! Bah là, oui, bah là, je suis à 152 BPM. Bah génial! Oui, bah là. Là, on adore. Là. Ouais, je l'ai raté parce que ça a bougé. Non, mais c'est trop chiant, je vous le dis! C'est trop chiant, t'appuies, les BPM ne montent pas! Tu mets du sprint! Ah! Ça me rend fou! Voilà, je vous le dis, ça me rend dingolino! C'est vraiment trop chiant! Vraiment, c'est horrible. Hein, je pèse mes mots. Hein, c'est vraiment horrible. Horrible, horrible que ça, ce soit absolument random. Ça va me niquer mes courses. Hein. Ça va me niquer mes courses. Surtout ces courses-là là, où tu as juste une big descente. Tu peux pas monter tes BPM en descente. C'est trop chiant. Ah, vous pouvez me dire dans les commentaires qu'il ne faut pas que je fasse gaffe aux BPM. Mais je suis obligé, les gars. Je suis obligé. C'est trop chiant. C'est trop, trop chiant. Non, là, j'avoue que c'est la pire map pour les BPM, celle-là. Hein. Vraiment, une turbo-descente comme ça, là. Non, trop chiant. Trop chiant, trop chiant. Alors, il faudrait que je... En fait, le problème, c'est qu'il faudrait que je cut peut-être mon effort plutôt quand je suis genre un peu plus loin. Mais le problème, c'est que je suis à 40 km/h. Si j'arrête de glisser, je passe de 40 à 25, les gars. On perd 15 km/h, on perd un temps fou aussi. Pas évident, hein. Vraiment, cette map, elle est relou. Hein. Non, mais lui, il faut qu'il aille se faire foutre, là. Putain, on fait chier, quoi. Déjà, une erreur, tout ça, parce que les BPM, c'est de la merde. Trop relou. Trop relou, trop relou. Parce que là, l'objectif sera quand même de rester dans le top 10. Hein. On va peut-être pas faire les cons non plus, quoi. On va accélérer à partir de là. Commencer à monter les BPM. Parce qu'imaginez, je les monte pas. Hein. Imaginez, je les monte pas les BPM. Et encore, là, ils sont qu'à 181. Donc là, il va falloir que je les monte encore plus. Non, mais je pense que j'ai pas le choix. Hein. Tant pis. Hein. On va perdre du temps. On va perdre des kilomètres heure. Hein. Mais j'ai pas le choix, là, de vite les monter. Parce que le pas de tir, il est direct là. Et là, c'est à 181 et le pas de tir, il est là. Bah, c'est super chiant. C'est dur. Hein. Ah, c'est dur à gérer, les gars, je vous le dis. C'est hyper dur à gérer. Bon, c'est pas grave. Ça va bouger un peu, mais ça devrait aller. Vamos. Allez, c'est bien. Devant, il y a très peu d'erreurs. Hein. Il y a très peu de gens qui font des erreurs. Ah, les mecs sont solides. Hein. Les mecs sont solides. Hein. Les mecs sont solides de fou. Genre lui il a fait une erreur, il sort devant moi. Ouais, faut aller se faire enculer quand même. Mais il tire à combien? Il tire à 600 km/h ou quoi là? Comment c'est possible que je gagne même pas une place? Non mais frère, j'ai l'impression de progresser et pas de pas progresser finalement. C'est une dinguerie. Genre je progresse, j'ai 87 de général, mais je vois toujours les mêmes failles chez Zaquigno. Les mêmes failles les gars. Genre on a bien progressé sur le ski, mais on est toujours guest sur le ski, c'est terrible. Et sur le tir aussi, genre là, faudrait que je tire encore plus vite. Le gars, il a eu le temps de faire une erreur. Il avait peut-être un petit peu d'avance, hein, mais pas grand-chose. Il a eu le temps de faire une erreur, de faire un tour, et quand même sorti devant moi, alors que quand même, il n'y avait pas 8 secondes entre nous. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop dur. C'est trop, trop dur. Hein. Ah, cette map, on va pas l'aimer. Hein. Je veux plus la revoir, cette map. Hein. Ah, je préfère encore, du coup, la map des fous, la Holmen Colon. Je préfère encore. Hein. Au moins, pour les tirs, c'est moins chiant. Hein. Même s'il faut monter des pentes, frérot, t'as jamais vu ça de ta vie, mais au moins. C'est moins chiant. Et toi, reste là, toi. Toi, tu vois, tu vas même pas me dépasser, je te le dis. Hop là, tu vas être bloqué. Comment ça, t'es pas bloqué? Comment ça, il t'est pas bloqué, là, le mec qui triche en plus? Bon, est-ce que je vais réussir à monter les BPM? Soit ils vont trop monter, soit ils vont pas assez monter. Hein. Bon, on est à la classique, les gars. De toute façon, vous connaissez les bails. C'est un peu de la merde. Là, je vais prendre. Et voilà, là, ils montent pas. Et là, ils montent pas. Là, ils sont bloqués à 166. Ok, bon, tant mieux, ils sont bloqués pendant longtemps. Allez, on se focus, faut quand même tirer vite. Hein.
Ouais, maintenant c'est 152. Bah, la fourchette elle a encore changé, les gars. Bon, bah écoutez, maintenant je sais. Hein. J'espère que ce sera pareil pour toutes les courses. Maintenant je sais. Là, il y a eu pas mal d'erreurs. Là, on devrait gagner des places. Bon, il y a encore un gars qui a eu le temps de faire une erreur. Là, je suis 7ème. Bon, j'ai gagné pas tant de places que ça. Il y en a juste deux devant nous. Ah, faudrait les grailles. Terminer 5ème, ce serait bien. Terminer 5ème, ce serait bien. Faudrait les grailles. Il y a des mecs juste derrière aussi. Hein. Bon, bah du coup, maintenant je sais. Maintenant, c'est plus 155, c'est 152. Ça nous laisse une limite supplémentaire. Alors. J'espère ouais, que comme dit, hein, il n'y aura pas un truc de c'est que sur cette map parce que je sais pas, j'ai l'impression même pendant l'individuel c'était 155, mais vas-y. Hein. On va dire que tiens, on va mettre un tout petit peu de sprint ici là, voilà. Essayer de les rattraper un petit peu les frérots là. Un tout petit peu de sprint encore, pas plus que ça. Voilà, comme ça on reste ski dans ski. Ski dans ski, il y a pas mal de monde derrière nous. Donc attention à pas faire le con. Et là on va essayer de terminer en beauté. Hein? Là j'aurais quoi le pas de tir numéro 7 du coup? On a un pas de tir un tout petit peu plus loin. Mais appuie pas comme ça sur tes skis toi, voyons, t'es qui seulement? T'es qui dans l'e-sport? T'es personne dans l'e-sport mon frérot. Bah, il va vite. Hein. Bah, il glisse tellement mieux, bon, je pense qu'ils ont des skis tellement mieux adaptés que forcément ils vont plus vite. Ah, les deux de devant nous ont tracé aussi un hein, putain. Comment ils nous ont tracé de fou? Une petite dinguerie. Une petite dinguerie. Bon, on va essayer de les remonter un petit peu, mais légèrement, les BPM. Et voilà, et là, ils montent à 179. Voilà, c'est vraiment... Attends, je vais faire exprès d'être lent de fou pour arriver sur le pas de tir. Bon, c'est vraiment une zinzinerie. Hein. Là, je vous le dis, c'est une petite zinzinerie. Hein. Du coup, ça va beaucoup bouger, là, j'imagine. Wesh. Ah, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Hein. Ah, ils font quasiment aucune erreur. Non, mais frère, ça aussi, ça me rend fou. Hein. Ils ont tous des stats éclatées en tir debout. Mais ils sont trop forts. Encore une fois, il y a un gars, il a eu le temps de faire une erreur. Il ressort devant moi. Je sais pas, là, j'ai l'impression d'être lent sur les skis, d'être lent sur le tir. J'ai l'impression d'être lent partout, les gars. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Expliquez-moi, les gars. Pourquoi j'ai l'impression d'être juste ultra lent partout? Partout, partout, partout. Je sais pas. Je sais pas, on est 8ème. Bah, je pourrais pas faire mieux que 8ème. Hein. On va dépasser personne sur les skis. Ça, c'est sûr. À moins que là, ici, là, je mets mon sprint. Ah, merde, merde, j'ai encore une bosse. J'ai encore une bosse, j'ai encore une bosse. Paf, 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 paf. J'utilise le sprint. Paf, 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 paf. Je suis devant, mais bon. J'ai plus rien dans les chaussettes, malheureusement. Je peux pas l'empêcher de passer. On a beau pousser, il pousse aussi. Et lui, il a encore le sprint sur la fin. Donc, on peut pas faire mieux que ça, les gars. Ah, c'est peut-être la ski diff là. Hein. La ski diff en termes de matériel, pas en termes de stats. Bon, on va faire 8ème. À moins que, attends, il y a des gens derrière aussi. Hein. Calmons-nous. Calmons-nous, il y a des mecs derrière. Hein. Ils peuvent peut-être encore me rattraper. J'ai quoi? Bon, non, j'ai 2 secondes. 2 secondes, ça devrait suffire quand même. Surtout que la fin, là, il y a une longue descente. T'as pas forcément le temps de beaucoup sprinter. Tac, 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 à partir de là. Ah bah si, il va me fumer. Ah bah si. Ah bah j'avais dit qu'il avait pas le temps, il avait tout à fait le temps. On termine 9ème finalement, avec une seule erreur. Alors c'était peut-être pas une map pour nous, j'en sais rien, mais je suis quand même perplexe. Hein. J'ai l'impression que les gars, on s'est fait mais foudroyer sur les skis, parce que entre les mecs qui ont fait une erreur de plus que moi, qui étaient devant moi, à l'individuel, là je fais qu'une erreur. Hein. Qu'une erreur, je perds des places. J'ai commencé 7ème, j'ai fait qu'une erreur. Je tire trop lentement. On a perdu 26 secondes sur les skis. On s'est fait bousiller. Et shooting time, je perds 9 secondes. Je suis de très loin le plus nul. Bah c'est parce que les BPM, les gars. Il y a des moments où j'ai dû attendre. Ok, bon, bah écoutez. On limite la casse, on va dire. C'est pas si mal au final, mais c'est pas non plus fou, quoi. C'est pas non plus fou. Ok, bah prochaine étape, c'est demain. C'est demain, on va à Nové Mesto. On aura un sprint et une mass start. Donc le sprint qui va compter entre guillemets pour du beurre, parce que la mass start on la fera. Mais bon, l'objectif c'est quand même de bien figurer sur le sprint. Bah, j'espère qu'on aura, je sais pas, j'en sais rien honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire. Mais on se fait bousiller. Ouais, bah, c'est la ski diff. Hein. Fais voir dans le shop. Qu'est-ce qu'il va nous falloir comme ski? Parce que nous là, on a déjà des skis quand il fait moins 6, moins 10. Que nous, nos skis actuels, on peut revoir nos skis, c'est lesquels là? Je sais même plus. On peut savoir, non? Ah ouais, là, on peut les acheter, mais il y a quoi comme diff là? Il n'y a rien. Hein. Ah non, il n'y a rien. C'est juste la couleur ici. Ouais, ah, il y a des combinaisons.
Ah ouais, des combinaisons affreuses, hein, vraiment. Les combinaisons, mon Dieu. Il y a des combinaisons, les gars, un peu affreuses. Il y a des fusils, il y a des gants, il y a des bâtons, il y a des chaussures, quoi. Bon, on s'en fout. Bon, ce qui est le plus intéressant, évidemment, c'est les skis. Les skis. Là, l'objectif, ça va être de choper des skis, quand même, je pense. Parce que si on regarde les skis, même à bah, 500 balles, est-ce que ça vaut vraiment le coup, un ski à 500 balles? Tu vois, c'est pas terrible. Hein. En termes de bonus, on n'est que sur un maximum, un 10. Ah, mais après 1000 balles, c'est tellement énorme, les gars. 1000 balles, 1000 balles, c'est beaucoup. C'est toute une saison de dur labeur. Hein. 1000 balles, c'est énorme. 1000 balles, c'est énorme. Mais bon, les bonus sont exceptionnels. Les bonus sont exceptionnels. Bon, là, c'est plutôt. Bah, c'est un peu déjà des skis comme on a. On a des bonus entre moins 4. On commence déjà à avoir un peu de bonus. On a un pic de bonus de zinzin, on va dire, à moins 12. Moins 10, moins 14, c'est très bien aussi. Et jusqu'à moins 20, on a quand même du bonus, tu vois. On a quand même du bonus. Mais vu qu'on a déjà un peu dans les températures négatives, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher quelque chose sur les températures Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, quand il neige ou quand il neige pas. Parce que là, du coup, c'est que. C'est les deux? Je crois que c'est les deux, là. Je crois qu'il y a les deux lignes qui se superposent. Donc c'est plutôt bien ça de. Je sais plus c'est lesquels les mieux. Est-ce qu'il y a vraiment des mieux? 1000 balles, les Mastu Starline, ils font quoi eux? Les Mastu Starline, eux, c'est pour quand il fera très chaud. Alors on a vraiment un pic de zinzin, quoi. On a un pic de zinzin, mais c'est que s'il fait 8 degrés. Donc c'est un peu nul. Ah, ce sera plutôt un truc comme ça qu'on ira chercher. Hein. Des trucs qui couvrent quand même une large palette. Ok. Et eux, c'est pour s'il fait froid. Ben, en fait, je pense qu'on en a trois. En fait, oui, il y a les. On a des types. C'est soit les Faster Neon Speed. Ouais, ok, j'aime pas trop forcément cette courbe-là. Cette courbe-là, elle est pas mal. Cette courbe-là, elle est pas mal, ouais. Ça commence à partir de, on va dire, de 4 degrés, tu commences à avoir un peu de boost. Et t'as un pic énorme entre 8 et 10, là. Oh, t'as un pic de zinzin. T'as un pic de zinzin. Sinon, il y a les Hamilton. Hamilton, mais là, du coup, il y a avec neige et sans neige. Donc là, c'est mieux quand il n'y a pas de neige. T'as plus de bonus quand t'as pas de neige. Voilà, là. Ah, la vague, elle est bien là. Et là, ça va de moins 20 avec un pic à moins 8 et tout. Ouais, ok. Ok. Bon. Bon, de toute façon, j'ai pas les sous. Je regarde déjà comme si j'avais les sous, mais c'est pas mal ça. Quand il neige ici, oh, le bonus de fou furieux. Après, mais comment? En vrai, c'est pas possible, les gars. Genre, 10 degrés de la neige, ça n'existe pas dans le terme de la météo, non? Je crois que ça n'existe pas trop. Mais enfin bref, les gars, on va se laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve demain, comme d'habitude. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens.